好，欢迎嚟到一条新片。咁今日咧呢条片咧就会同我其他嘅片有啲唔同啦，因为我今日决定咧呢条片咧只系会用法文嚟讲嘢。好啦，咁我哋转 channel 咯。Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Le vlog d'aujourd'hui sera uniquement en français, simplement parce que j'ai l'impression de ne pas avoir filmé des vidéos en français depuis longtemps. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis moitié française et chinoise, mais j'ai grandi à Hong Kong et je n'ai jamais vécu en France. Donc le plan pour aujourd'hui, c'est de boire mon café, faire un peu de travail et ensuite j'irai à Discovery Bay pour voir ma pote Charlene qui est également française et chinoise. Allez, c'est parti! Maintenant, j'ai fini un peu de travail et pour aller à Discovery Bay, je dois prendre un bateau. Alors maintenant, je suis avec ma pote Charlène. Coucou. Et maintenant, on déjeune. Et qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Du Chinese. Okay, ouais. Du Chinese food. Et ça, c'est cao fan. Et en français, c'est riz cantonné. Riz cantonné. Siu mai, tao mai, ha gao. Il y a un mot pour ça en français. Les gens, ils disent ravioli chinois. Ravioli. Like, genre, you know, like ravioli. Oui. Ouais. Voilà, comme ça. Et je sais pas s'il y a un mot pour ça, c'est du riz cuit dans une feuille. C'est très très délicieux. Et avec de la soupe carotte. Yummy. Très bon. Bon appétit. Bon appétit. Et moi, on a le même mélange. Mais on a été élevé dans une façon différente. Mm-hmm. Parce que moi, bah, j'ai grandi à Hong Kong aussi. Mm-hmm. Mais mon français est beaucoup mieux que mon chinois. Parce que j'ai fait l'école française, dans mm-hmm. la section française. Mm-hmm. Et c'est pour ça que Megan va m'apprendre le chinois. Et moi, je suis allée dans une école locale et c'est là où j'ai appris le chinois. Et quand j'avais 12 ans, j'ai changé l'école au lycée français. Mm-hmm. Et c'est pour ça que je suis plus à l'aise de parler en chinois et pas vraiment en français. Bon, mais en fait, on allait la situation inverse. Oui. Mais comme d'habitude, on parle anglais ensemble. Ouais, ce qui est drôle parce que on n'est même pas anglaise. Oui. C'est quoi? On va manger un gâteau fait avec genre je pense 20 crêpes. On est à la plaza de Discovery Bay et on va se promener. Mais d'abord, on peut aller trouver un truc à boire. On a soif. Alors qu'est-ce que tu veux boire? J'ai envie d'aller au Starbucks pour acheter un truc prêt à boire. D'accord. Et en chinois c'est Simba. Simba. Mais est-ce que les Chinois ils disent Singbara ou est-ce que... Tu crois qu'à Hong Kong les gens disent Starbucks. Okay. Starbucks. Oui. C'est un pink drink. Maintenant je veux boire lemon cha. Yeah. C'est où? Ça sera bien. 7-Eleven. Le 7-Eleven. Le 7. Le 7-11. Le 7-11. Oh my god. Est-ce que tu te sens française ou chinoise? Bah ça dépend, mais je pense qu'à Hong Kong je me sens plus française, mm-hmm. Vu que je parle mieux la langue. Mm-hmm. Mais quand je suis avec mes potes français, mm-hmm. je me sens pas très française. Parfois, parce que mm-hmm. parfois ils utilisent des mots que moi je ne connais pas. Mm-hmm. Ils parlent de choses culturelles très françaises mm-hmm. que moi j'ai pas connues en grandissant.
toi, c'est quoi ton expérience avec ça? Pour moi, je ne me sens pas vraiment française parce que peut-être parce que j'ai grandi à Hong Kong toute ma vie. Mais en même temps, je crois que les locales ne me voient pas en tant que locale. Pardon, ma caméra, il n'y a plus de batterie. Et maintenant, on filme avec mon téléphone. Que les locaux ne Oui, je pense que les locaux ne me voient pas autant que local. Alors c'est compliqué, je ne sais pas si je suis française ou chinoise. Alors, alors que tu es vraiment vraiment chinoise, tu parles parfaitement chinois, tu as vraiment la culture, tu connais tout. Mais c'est juste parce que physiquement, on dirait que tu es plus, je pense, européenne par rapport à ce qu'ils pensent les Asiates, les locaux. Alors maintenant, on va faire du shopping. Oui. Marketplace. Ouais, faire du shopping pour manger. Je viens de revoir ma pote. Nous avons parlé un peu de ce que c'est d'être mixte à Hong Kong. C'est intéressant de noter que bien que nous ayons la même ethnie et nous ayons tous les deux grandi dans la même vie, nous avons des expériences très différentes. Alors je vais terminer la vidéo ici. À la prochaine. Salut.